Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo par DJ Pro du Monde. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire un tutoriel sur comment installer une police d'écriture sur son ordinateur. Donc, c'est très simple, hein. Déjà, pour une police d'écriture, il va déjà falloir vous rendre sur le site, un site spécial, hein, qui propose plein d'écritures. Donc, vous rendez sur Google, hein. Si vous utilisez ça et vous marquez Dafon, donc comme ceci, puis vous cliquez sur le premier lien dafon.com/fr hein, pour le site en français, puis vous atterrissez sur ça, sur une interface comme ça normalement. Donc là vous avez plein de catégories hein, avec les polices d'écriture récemment ajoutées. Donc là vous avez celle qui est déjà qui ont été rajoutées il n'y a pas si longtemps que ça en dernier. Donc moi par exemple je vais choisir on va dire je sais pas fantasy, on va prendre allez hop western tiens par exemple, et là il va vous mettre, alors là vous voyez il y a plein de pages et vous voyez bien sûr les écritures western etc hein. C'est sympa. Donc, par exemple je veux celle là drift type, donc là je veux celle là donc comment la voir, il va juste suffire de cliquer à droite de l'écriture que vous avez choisi sur télécharger, puis il se télécharge en fichier zip ou rar hein, selon ce que c'est hein, ça dépend, mais bon bref c'est pareil. Donc vous l'ouvrez, puis vous aurez ça hein. Donc tout ça vous en foutez hein. Tout ce qui nous intéresse c'est ces deux là, donc vous voyez solide et celui-là. Donc vu comme vous voyez normalement vous avez un petit logo là à gauche, donc vous prenez celui-là, c'est un type true type font file, donc c'est celui-là, faut prendre les deux là. Donc vous allez vous rendre dans votre explorateur, dans vos dossiers hein. Oui hop oups je me suis gouré, donc vous allez vous rendre sur ordinateur dans votre lecteur C hein, normalement c'est celui-là à la base, vous allez dans votre lecteur hein, C, vous vous rendez sur Windows, et vous cherchez le dossier font avec un S. Donc normalement le dossier vous voyez il a un petit A à côté d'un genre de petit dossier, vous faites double clic dessus pour l'ouvrir. Et là, il va vous afficher tous les fonds. Donc, s'il ne vous affiche pas d'un coup, c'est normal parce qu'il charge. Hein. Donc là, vous voyez tous les fonds que vous avez installés sur votre ordinateur, plus ceux qui étaient là par défaut. Donc, pour l'installer, il va juste suffire de choisir les deux fichiers, comme ceci. Puis, de les glisser dans le dossier font. Comme ceci. Donc, il va extraire. Et installation de drift type hein. Voilà les deux fichiers ou un seul hein. Ça dépend laquelle écriture vous prenez, et ensuite voilà il est installé hein, en à peine 5 secondes hein, même pas. Donc voilà, donc maintenant que nous l'avions installé nous allons le tester pour vous. Donc on va ce que nous pouvons prendre on va prendre Blocknote hein, tout simplement bloc notes. Alors vous allez dans format police, toi pour les, vous voyez c'est pour les polices d'écriture, et dans police d'écriture hein, police à gauche, c'est pas police comme les policiers hein, les policiers là c'est police d'écriture hein, d'ordinateur, et vous allez chercher le nom de l'écriture que vous aviez vu sur le site drift type. Et pas western ou autre chose, hein. C'est drift type le nom qu'il faut chercher. Donc
Vous allez peut-être chercher là, hein, si vous pouvez. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Drift Tip. Donc, apparemment, il n'y aura que celui-là. Hein. Le deuxième, je sais pas où est-ce qu'il est, donc c'est pas trop grave. Hein. Après, j'ai pris ça au hasard, mais si l'écriture ne va pas trop, bah vous pouvez en prendre un autre si ça déconne un peu. Donc voilà. Ok. Et là, je peux écrire. Coucou. Ceci est une écriture de Western. Et voilà comment installer une police d'écriture sur son ordinateur. Tutoriel by DJ Pro du Monde. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, hein, et que ben, ça vous aura bien aidé à ceux qui ne savent pas le faire. Et voilà. Donc, maintenant que ce tutoriel est terminé, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon Facebook DJ Pro du Monde Rétro, hein, rétro sans et, sans le à l'accent. Mon pseudo, vous savez l'écrire parce que il est affiché dans mon pseudo YouTube. Et voilà. Et vous pouvez m'ajouter sur Skype, c'est DJ Pro du Monde, hein, mon pseudo, c'est l'officiel qu'il faut prendre. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez bien aidé. Les questions sur mon Facebook ou mon Skype. Et voilà, j'y répondrai dès que possible. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. J'espère vous avoir aidé.